projet très ambitieux sur le plan organisationnel, la campagne de recrutement des astronautes déployée par l'Agence spatiale canadienne a été marquée par une grande visibilité et d'importantes contraintes de temps. L'équipe de talents attitrés à la campagne a su mettre à profit ses pratiques éprouvées de la gestion de projet dans un contexte de grande complexité de coordination des nombreuses parties prenantes. L'équipe responsable de la transition du Centre hospitalier Sainte-Justine a su intégrer de façon rigoureuse et novatrice les meilleures pratiques de communication, de gestion de projet et du changement et d'amélioration continue, le tout dans un contexte organisationnel extrêmement complexe. La construction de la place Bell, chapeautée par Pomerleau, était un projet d'envergure réalisé en mode conception-construction à l'aide d'outils technologiques de pointe tels que le BIM et la réalité virtuelle. La gestion de ce projet couronné de succès représente un modèle à suivre tant en matière de relations avec les parties prenantes que d'optimisation du cycle de vie du bâtiment. Témoignant d'un excellent esprit de collaboration, d'une grande flexibilité et d'une démarche toujours rigoureuse et efficace, les équipes déployées par SNC-Lavalin ont mené avec brio l'agrandissement du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. En respectant à la fois le budget et les échéanciers, SNC-Lavalin a contribué à faire du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine le plus grand centre pédiatrique canadien et l'un des plus grands en Amérique du Nord.